Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échecs et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Romu, tu nous as déniché une partie du joueur Arencibia avec les noirs, qui est dans une situation un petit peu délicate parce que sa dame est en prise et c'est un petit peu compliqué. Alors comme d'habitude, on invite tout le monde à mettre en pause la vidéo et à trouver comment on pourrait sauver cette dame, continuer notre attaque, tout ce que vous voulez. Et dès que vous aurez trouvé, vous remettez en pause, en lecture et Romu va tout vous dire. Oui, donc effectivement, Laurent, tu as bien résumé la chose. La dame noire est attaquée et semble en très fâcheuse posture, puisque la seule case en apparence à sa disposition, c'est la case des 4. Mais malheureusement pour eux, les noirs ne peuvent pas jouer ce coup parce qu'ils perdraient la dame à cause de tour C7, pardon. Donc échec, et grâce à la découverte, les blancs gagneraient la dame. Donc il y a le feu à la maison. La dame a l'air vraiment enfermée. Donc comme toujours, il faut essayer de regarder un peu les choses importantes, notamment autour du roi adverse, pour essayer de trouver du contre-jeu. Donc on voit que le roi en G2 est quand même relativement exposé. Il est en face de la tour G8. Il y a le pion H4 qui rôde aussi et qui déjà attaque le fou G3. La dame C4 a beau être enfermée, mais quand même joue un rôle important sur les cases blanches, notamment. Elle contrôle la case F1, par exemple. Et le fou H6, on n'a pas encore parlé, mais lui joue un rôle complémentaire de la dame, puisque lui s'occupe des cases noires et peut-être à un moment, si le roi blanc est amené à se déplacer sur une case noire, le fou H6 pourrait avoir son mot à dire. Donc là, il s'agit de ne pas perdre de temps. Puisque, je l'ai dit et répété, la dame est enfermée. Donc, comme d'habitude, on essaie de regarder en premier les coups qui font échec. Et il y a un coup qui vient très vite à l'esprit et qui semble très intéressant, c'est le coup H3. Ok, donc on fait échec pour pas se faire prendre la dame et on essaie de prendre la main. Bon, probablement la première chose qu'il faut calculer, c'est ce qui se passe si on accepte le pion. Oui. Donc si on accepte le pion, on voit que maintenant la case F1 devient disponible pour la dame, donc chouette. Et en plus c'est échec, donc on ne va pas se priver, on fait dame F1 échec. Donc alors s'il interpose la dame qui fait dame G2, on peut jouer dame F5 échec. On voit H4 et un joli mat en G4. D'accord. Et sur l'autre coup, roi H4, si on essaie de s'enfuir. Et sur roi H4. Donc c'est une case noire, donc c'est le fou qui intervient, donc fou G5. Le roi va sur une case blanche forcée, donc roi G4. Là c'est la dame qui arrive, donc dame F5. Et après roi H5, tour H8 fait mat. Ok, donc une belle balade du roi blanc. On lui déconseille fortement d'accepter ce cadeau empoisonné. La deuxième case à laquelle on aurait pu penser, c'est la case F2. Oui. Mais le problème, c'est que maintenant, le pion D4 est prenable sur échec. Donc, après dame prend D4, la dame s'échappe. Et en plus, on peut imaginer que le roi blanc va avoir pas mal de soucis, on va dire. On peut imaginer une suite comme roi F1, roi F1, dame D1, roi F2, et un coup comme tour E4 peut-être pour faire intervenir Tour tour G4 G4, pardon ouais. pour viser la case E4 pour faire intervenir une pièce supplémentaire à l'attaque. On voit que les blancs sont sans contre-jeu de l'autre côté et là les trois pièces noires sont vraiment à l'attaque avec le fou H6, la tour et la dame qui Ouais. sont Il y a plein de coups. On pourrait penser ouais, il y a aussi à peut-être des coups comme D4 D4 pour pour faire faire fou fou E3. E3. Ouais. Bon, il y a plein d'alternatives, mais de toute façon, l'essentiel, c'est de comprendre que la dame est sauvée et l'attaque des noirs continue, voire même se développe. Donc, roi F2, c'est hors de question. Bon, bah, une fois qu'on a éliminé tout ça, finalement, il ne reste plus qu'une seule case, qui est la case choisie par Klinger dans la partie, c'est-à-dire la case F3. Alors, on comprend bien qu'on a dévié le roi, donc le prochain coup, ça va être logiquement dame F1. Bravo, tu as bien suivi. Donc effectivement, c'est dame F1 le coup. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on interpose la dame, soit le fou. Alors si il interpose le fou, on continue les échecs avec dame D1, Qui force dame 2. qui force dame 2.
Et maintenant, le roi, on se rend compte que le roi n'a plus de case. La case E3 étant privée par le fou H6. Et la case F4, pareil. La case E4 par le pion. Et la colonne G interdite à cause de la tour G8. Donc, il suffit de faire dame H1 mat. Ok, très bien. Le cercueil s'est refermé. Donc, tu nous as dit qu'il y avait deux interpositions possibles. La deuxième, c'est dame F2. C'est la dame. C'est la partie. Donc la dame D1, toujours pareil. Dame D1, on a échec. Compris le système. Hein, c'est les cases blanches pour la dame, les cases noires pour le fou. Okay. Donc dame E2 seul coup. Dame E2 seul coup. Et là, on sent que le roi donc, est attaqué, bien sûr, il est en danger. Mais on voit qu'il a pour principale fonction maintenant de défendre la dame. Mm-hmm. Donc, le fou G3 est aussi dans le viseur de la tour G8. Et on voit que ce fou est défendu par le roi, mais par le pion. Mais si le pion H2 disparaît, le pion H3 peut commencer à se frotter les mains et sortir des starting blocks et viser la case de promotion en H1. Donc là, c'est sans grande surprise que les noirs ont joué tour prend G3. Oui, une sorte de double surcharge, quoi. Le roi doit défendre sa dame, défendre G3. Et le pion doit défendre G3, mais aussi rester en place et stopper l'avancée du pion H3. Ouais. Ça fait beaucoup à chaque fois. J'ai oublié juste de dire un petit truc, c'est qu'au lieu de tour prend G3, on aurait pu être tenté de prendre le pion en D4. Oui. Alors dame prend D4, mais là, on se prendrait un contre fulgurant à cause de dame prend B5 échec, qui maintenant gagnerait pour les blancs, puisque maintenant, c'est le roi noir qui est sous les feux de l'attaque et va se faire mater en quelques coups avec la tour et la dame. Okay. Donc là, il s'agit de battre le fer tant qu'il est chaud et il faut continuer les échecs. Ok. Donc tour prend G3 sur échec. Ouais. Donc si roi prend G3, on a compris, on perd la dame. Mm-hmm. Donc ça va pas. Donc on prend du pion. Forcé. Et maintenant, mission accomplie, le pion H3 est libéré, donc il suffit d'échanger les dames, de faire dame prend dame. Et on va avancer le pion H, puisque malheureusement pour les blancs, la tour ne peut pas revenir en C1 pour stopper le pion en cause du fameux fou H6. Et donc après H2, la promotion est inévitable et les blancs ont abandonné. Ouais. On remercie aussi le pion G3 pour sa participation, qui nous a permis d'éviter tour H3. Ok, ben merci Romu pour cette belle tactique. Voilà, on avait l'impression que les noirs étaient mal en point parce que leur dame était attaquée, mais on comprend bien grâce à cette tactique que le fait d'avoir l'initiative, d'être celui qui mène le jeu, ben, c'est très très souvent décisif. Donc on vous remercie comme d'habitude d'être très nombreux à commenter nos vidéos, ça nous fait très plaisir de voir que vous êtes fidèles et que ça vous plaît. N'hésitez pas à la partager auprès de vos camarades qui souhaitent étudier, faites découvrir la chaîne à certaines personnes qui vous pensez pourraient être intéressées. N'oubliez pas de liker la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne. On vous dit à demain pour la prochaine tactique. À demain, au revoir.